Le 6 août 1945, trois avions s'envolent de l'île de Tinian dans le Pacifique. Trois avions météo. Et ces trois avions volent vers le Japon. Ces trois avions, on leur a donné une mission. Et cette mission, je pense que c'est peut-être la plus redoutable que l'on ait jamais confiée à aucun pilote. Ces avions doivent chacun se diriger sur une ville différente du Japon. Le premier doit survoler Hiroshima, le second Kokura, le troisième Nagasaki. Pourquoi? Eh bien parce que loin derrière vole un B-29, un bombardier, qui s'appelle l'Enola Gay. Et ce bombardier, lui, porte la première bombe atomique de l'histoire. Et on ne sait pas encore, à l'heure où nous sommes, sur quelle ville l'Enola Gay va larguer sa bombe. Alors oui, les trois avions météo volent vers ces trois villes. Dans l'ordre, c'est d'abord Hiroshima que l'on doit bombarder. Mais si les conditions météorologiques sont mauvaises sur Hiroshima, on bombardera Kokura. Et si les conditions météorologiques sont mauvaises sur Kokura, on bombardera Nagasaki. Et l'avion météo qui doit, lui, survoler Hiroshima est piloté par le major Claude Etherly. Et il vole au radar, le major Claude Etherly. Pourquoi? Eh bien parce qu'au-dessus de toute la région d'Hiroshima, il y a une épaisse couche de nuages. Et il a beau regarder sous ses pieds, il ne voit qu'une masse opaque, blanche et cotonneuse. Alors il s'apprête, le major Claude Etherly, à envoyer un câble, non pas un câble, un message radio. Et ce message, il est évident qu'il va dire « visibilité nulle ». Alors c'est Kokura qu'on bombardera, ou à défaut Nagasaki. Et puis tout à coup, la voici que dans la masse de nuages s'ouvre une brèche. Et cette brèche, elle s'allonge sans cesse. Bientôt, à vue de nez, Claude Etherly estime qu'elle fait 20 km de long. Et puis elle s'élargit sans cesse. Le vent a ouvert cette brèche. Et là, tout à coup, sous la brèche, dans le soleil qui commence à briller, une ville, la ville d'Hiroshima qui s'éveille dans le petit matin. Et alors, le major Claude Etherly envoie un message radio, ainsi conçu, ennuagement 3/10 seulement. Autrement dit, c'est parfait, c'est excellent, ok, allez-y. Et ce message, le commandant de l'Enola Gay, le B-29 porteur de la bombe, le commandant Paul Tibbets, le reçoit. Et nous savons qu'il a dit à ce moment-là, eh bien ça y est, c'est Hiroshima. Oui, c'est Hiroshima. Et nous savons aussi, parce qu'on a surabondamment interrogé l'équipage par la suite, que ces hommes qui étaient à bord de l'Enola Gay, le B-29, ont déclaré qu'ils avaient été soulagés en apprenant que c'était Hiroshima parce que c'était l'objectif qu'ils connaissaient le mieux. Je suppose que les habitants de Kokura et de Nagasaki, si on les avait également interrogés, auraient aussi dit qu'ils étaient soulagés. Une bombe avait éclaté précédemment, une seule. C'était le 16 juillet précédent, le 16 juillet 1945, dans le désert du Nouveau-Mexique, la première bombe de l'histoire, une bombe expérimentale. Elle avait éclaté à 5h30 du matin. Et lorsque tout à coup, elle avait éclaté justement, eh bien, un éclair fulgurant avait illuminé la région jusqu'à 400 km. Et les gens dans cette zone de 400 km s'étaient demandé, ceux du moins qui étaient éveillés, pourquoi le soleil se levait à cette heure-là, et ceux qui étaient plus près ont cru voir plusieurs soleils, la terre avait tremblé. Et une énorme sphère de feu de 800 mètres de haut s'était élevée, et une aveugle s'était écriée tout à coup, « Je vois !» Oui, le 16 juillet 1945, à 5h30 du matin, une nouvelle ère avait commencé.
Et maintenant, c'était une bombe atomique que le B-29 Enola Gay s'apprêtait à larguer sur Hiroshima. On a publié des livres par dizaines, des articles par centaines, pour montrer que les équipages de l'Enola Gay et des avions qui l'accompagnaient n'ont jamais ressenti le moindre regret, le moindre remords d'avoir participé au bombardement d'Hiroshima. Je pense que c'est vrai. Ce matin encore, un journal américain de Paris publiait les déclarations de l'un de ses pilotes qui disait 35 ans après, si c'était à refaire, je le referais, bien sûr. Pourquoi pas? Mais voyez-vous, un homme, lui, n'a pas réagi comme les autres. Cet homme, c'est le major Claude Etherly, le pilote du Straight Flush, celui qui tout à coup a vu sous ses pieds s'ouvrir la brèche dans les nuages d'Hiroshima, celui qui a envoyé le message, celui qui a dit « Allez-y !» Et parce qu'il avait dit « Allez-y !» Le major Claude Etherly a pensé qu'il était le principal responsable de tant et tant de morts, de tant et tant de souffrances. Et le major Claude Etherly, lui, a éprouvé de cruels remords, et toute sa vie, nous l'allons voir tout à l'heure, toute sa vie a été littéralement gâchée par ce qu'il avait vécu. Alors voyez-vous, je pense que un seul homme suffit pour témoigner. Après le 2 décembre 1851, Napoléon III a exilé des milliers de gens. 15 ans plus tard, il n'y avait plus qu'un seul exilé. Un exilé volontaire, c'était Victor Hugo. Il n'avait pas voulu rentrer. Et il avait même dit, s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. Eh bien, aujourd'hui, nous ne savons plus rien des autres exilés. Nous ne pensons plus qu'à Victor Hugo. Pourquoi? Parce qu'il a témoigné. Alors, je pense que le fait qu'un seul homme, et oui, un seul, Claude Etherly, ait témoigné, vaut la peine que nous nous posions maintenant la question, les questions, fallait-il bombarder Hiroshima? Ne pouvait-on pas éviter de bombarder Hiroshima? Savez-vous que le mot atome a aujourd'hui 2400 ans? Et oui, il y a 2400 ans, un philosophe grec, Démocrite, raisonnant d'une manière très simple, logique, en disant si vous avez un caillou, si vous le cassez en deux, vous avez deux cailloux plus petits. Mais si vous cassez chacun des demi-cailloux, vous avez encore quatre cailloux plus tôt, et ainsi de suite. Mais vous arriverez à un moment où vous ne pourrez plus rien casser, car vous serez arrivé à la partie la plus petite qui existe dans la nature, et cette partie la plus fine, la plus petite, la plus minuscule, eh bien, Démocrite l'a appelé atome. Et pourtant, il avait tort, Démocrite. Il a eu raison pendant 2200 ans, mais après 2200 ans, il a eu tort. Parce qu'un beau jour, on a démontré que même l'atome était divisible. Cela s'est passé par une série d'étapes qui ont commencé à la fin du siècle dernier. Alors là, on pourrait parler en 1895 de Röntgen, ensuite de Pierre et Marie Curie, de Becquerel avant Pierre et Marie Curie, de Rutherford. Et on était arrivé au début de notre siècle à une certitude, il existait une radioactivité, c'est-à-dire que des corps émettaient des rayonnements et donc de l'énergie par eux-mêmes, spontanément, sans cause apparente. Et on en était là lorsqu'en 1905 s'est produite une révolution scientifique la plus importante sans doute de l'histoire de l'humanité depuis Galilée. C'était un jeune Allemand de 26 ans qui a fait cette révolution. Il s'appelait Albert Einstein. Et en 1905, Einstein publiait 3 articles qui contenaient pratiquement toute la révolution nucléaire de notre siècle et des siècles à venir. Il posait une équation célèbre, E égale MC2. Et en même temps, il démontrait que tout s'équilibrait dans l'univers. Que si la matière pouvait produire de l'énergie, l'énergie pouvait produire de la matière. Puissance de l'imagination créatrice, dans sa formule, dans sa démonstration, Einstein annonçait l'utilisation de l'atome, utilisation pacifique certes, mais aussi, hélas,
utilisation meurtrière. Puis tout a été vite, assez vite. Et tout s'est accéléré dans la recherche dans les années 20, dans les années 30. Alors là, des gens travaillaient un peu partout en Europe. Il y avait des gens qui travaillaient à Copenhague, c'était Niels Bohr. Il y avait à Londres Rutherford. Il y avait Fermi en Italie. Il y avait Max Born et Jacob Planck à Göttingen en Allemagne. Il y avait Joliot-Curie et sa femme à Paris. Et on avançait. Et en 1938, pour la première fois, à l'Institut Kaiser Wilhelm de Berlin, on a réussi la première fission de l'atome d'uranium-235. Et là, ce jour-là, on a su que l'homme était en mesure de domestiquer une source d'énergie absolument fabuleuse. Et ceux qui s'en sont le mieux rendus compte n'étaient pas en Europe, ils étaient en Amérique. Parce que Hitler, de plus en plus, étendait sa menace sur l'Europe. Le premier qui était parti était l'Italien Enrico Fermi, parce que Enrico Fermi avait épousé une juive, Laura Fermi, et après les premières persécutions antisémites d'Allemagne, Fermi avait redouté qu'elle ne s'étende sur l'Italie fasciste. Et puis Niels Bohr était parti de Copenhague parce qu'il ne pouvait pas supporter la force qui prime le droit. Et puis Jacob Frank, prix Nobel, avait quitté l'Allemagne, il était juif lui aussi. Et puis un Hongrois était parti, il s'appelait Leo Szilard. Et ces gens avaient lu la nouvelle de la fission réussie à Berlin et ils se disaient, mais alors, si les Allemands, si les gens de Berlin ont réussi la fission, eh bien, le danger est grand, Hitler va comprendre qu'on peut, à partir de cette fission nucléaire, créer une arme, une bombe atomique, et que si cette bombe est aux mains d'Hitler, tout est à redouter, Hitler deviendra le maître du monde, et celui qui se disait le plus là, en Amérique, c'était le Hongrois Leo Szilard. Et il faut parler un instant de Leo Szilard. C'est un homme qui m'intéresse beaucoup parce que c'était un grand savant, Leo Szilard. Un très grand savant, l'un des plus grands. Mais aussi un homme plein de sensibilité, un homme dominé par les questions qu'il se posait à lui-même, par ses propres angoisses. Et Szilard se disait en 1939, Hitler va avoir la bombe. Il n'est pas possible que les États-Unis le laissent faire. Il n'y a qu'un pays dans le monde qui puisse à son tour créer la bombe, qui puisse même la créer avant Hitler. Et ce pays, c'est l'Amérique, ce sont les États-Unis. Il faut que les États-Unis aient la bombe avant Hitler. Et Leo Szilard se demandait comment avertir le président Roosevelt, oui, c'était en 1939, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, qui était président des États-Unis. Mais ces grands savants, dont certains étaient prix Nobel, se disaient que, même si certains célébraient leur gloire, eh bien, ils étaient certainement fort inconnus de Roosevelt, et c'était probable, en effet, Szilard se disait, si j'écris à Roosevelt, il ne lira même pas ma lettre. Alors comment faire? Alors Fermi était allé voir un amiral, l'amiral Hooper, parce qu'il savait que la marine à cette époque-là, la marine américaine, était le seul corps dans l'État qui disposait de crédits pour la recherche scientifique. L'amiral n'avait pas compris, il l'avait éconduit. On ne peut pas en vouloir à cet amiral parce que Fermi a dit lui-même, plus tard, à cette époque-là, il faut bien que je reconnaisse que je n'étais pas sûr du tout qu'on pourrait fabriquer un jour la bombe. Alors Szilard était toujours devant ses problèmes, devant ses angoisses, et tout à coup il a eu une idée. Et c'était l'idée. Einstein. Eh bien oui, Einstein aussi était en Amérique. Parce que Einstein professait en Allemagne, et il avait des étudiants pleins d'admiration, qui étaient davantage des disciples, lorsqu'un jour, dans l'amphithéâtre, après l'avènement d'Hitler, il a entendu crier « Ah bah les Juifs !» Et alors Einstein a dit, lui qui avait été élevé dans la religion catholique,
pour la première fois, j'ai su, je me suis rappelé que j'étais juif. Et Einstein était parti lui aussi. Mais voilà, c'est que Einstein était une gloire mondiale. Tout le monde connaissait Einstein, sa photographie était répartie par tous les journaux, on parlait de lui sans cesse, c'était une vedette. On s'était emparé de ce personnage singulier et merveilleux. Le chauffeur de taxi à New York savait qui était Einstein. Chez les coiffeurs, on parlait de la théorie de la relativité. C'est amusant d'ailleurs de plaisanter, tout est relatif. Alors Szilard est allé trouver Einstein. Elle lui a dit, il faut écrire à Roosevelt, parce que Roosevelt lira votre lettre à vous, Einstein. Et Einstein d'abord n'était pas d'accord, il disait, vous savez, moi je ne suis un théoricien, je suis un mathématicien, je ne suis pas du tout un homme d'expérience, toutes vos recherches, j'en ignore presque tout, je suis à l'écart de tout ça, je ne suis pas compétent pour écrire à Roosevelt. Et Szilard a insisté, a plaidé longuement, et Einstein a consenti à écrire. Alors la lettre, on l'a remise à Sachs. Sachs qui était le conseiller économique de Roosevelt pour qu'il la remette à Roosevelt. Et Sachs a gardé la lettre un bon moment dans son bureau parce que l'été 39, ai-je besoin de vous le rappeler, l'histoire galope, Hitler signe le pacte germano-soviétique avec la Russie. Il envahit la Pologne, la partage avec Staline. On sent que maintenant la machine s'est emballée et on sent qu'elle ne s'arrêtera plus. On n'arrêtera plus Hitler. Et Roosevelt s'est battu, il a essayé d'empêcher la guerre. Il a été pris par tout cela. Ce n'était pas le moment de lui remettre la lettre. Et maintenant Hitler digère sa conquête, digère sa victoire. Et le 19 octobre 1939, Einstein a bien fait décidément, Sachs remet la lettre d'Einstein à Roosevelt. Et Roosevelt la lit avec infiniment d'attention. Il la pose sur son bureau et puis il se met à rêver. Alors Sachs, qui connaît l'histoire, qui aime l'histoire, et notamment l'histoire anecdotique, pourquoi pas, se souvient d'une histoire et la raconte à Roosevelt. Il lui dit, vous savez, président, Napoléon, toute sa vie, pendant tout son règne, a voulu envahir l'Angleterre. Il avait vaincu l'Europe. L'Europe était à ses pieds. Il ne restait que l'Angleterre. Et jamais il n'a pu vaincre l'Angleterre. Et à plusieurs reprises, il a voulu rassembler toute sa flotte, notamment celle de l'amiral de Villeneuve. Toute sa flotte, à un moment donné, aurait pu transporter son armée en Angleterre. Et dès le moment où il aurait mis le pied en Angleterre, il était vainqueur, c'est évident. Mais voilà, c'est que les vents avaient été contraires. Et jamais Napoléon n'a pu passer en Angleterre. Il dépendait du vent. Puis un jour, un ingénieur lui a demandé audience. C'était un certain Fulton. Il a porté la maquette d'un bateau à vapeur. Et il se faisait fort de construire toute une flotte de ces bateaux à vapeur. Et alors là, il n'y avait plus de vent. Napoléon aurait transporté ses troupes au moment où il le voulait, quand il l'aurait choisi, jusqu'en Angleterre, et alors là, il était le maître du monde. Mais voilà, Napoléon n'a pas cru à l'invention de Fulton. Il a regardé avec ironie la maquette. Il a éconduit Fulton. Et voilà, dit Sachs, voilà, président, pourquoi Napoléon n'a jamais été maître du monde. Roosevelt réfléchissait toujours, il tirait sur son long fume-cigarette. Et puis il a sonné, il a demandé une bouteille de fine Napoléon. Bien, c'était à voir l'esprit de suite après cette histoire. Et il l'a rempli de verre, il a trinqué avec Sachs. Et il a fait venir le général Watson. Le général Watson, que l'on n'appelait pas dans l'intimité, le général Watson remplissait des fonctions très particulières à la Maison-Blanche. Il était chargé de ce qu'on appelait les missions très secrètes. Alors rapidement, Roosevelt a résumé la lettre d'Einstein. Et il a dit, eh bien, pas. Il faut agir maintenant. Et ce même jour, 19 octobre 1939, Roosevelt répondait à Einstein. La machine était lancée, le processus était engagé qui aboutirait à la bombe d'Hiroshima.
6 ans plus tard. Et 6 ans plus tard, Einstein dira, si j'avais su, je n'aurais pas signé cette lettre. 6 années, oui, 1939-1945. Et dès le début, les savants savent qu'ils vont disposer de crédits importants. Et pendant 6 années, ils vont chercher, ils vont travailler, ils vont tâtonner. Ils vont errer aussi, se tromper, réussir, se tromper encore, chercher, ne pas trouver, trouver. 6 années extraordinaires sur le plan de la science, 6 années aussi sur le plan de l'entreprise, du gigantisme de l'entreprise. Savez-vous qu'à certains moments, l'entreprise, le plan Manhattan, l'opération Manhattan, ce sera son nom, mobilisera plus de 700 000 personnes en même temps. Savez-vous qu'on a fait surgir du désert une ville entière? Savez-vous qu'on a dépensé 2 milliards de dollars? Jamais, jamais aucun pays n'avait tenté et réussi un pari pareil et un semblable pari. Et il n'y avait qu'un pays au monde capable de le faire à cette époque-là, c'était, et de le réussir, c'était les États-Unis d'Amérique. Alors il faut être quand même lucide et franc pendant de longs mois. Ça n'a pas beaucoup dépassé les expériences de laboratoire, sinon qu'on avait ce qu'il fallait, on disposait de davantage de choses qu'avant, et notamment d'uranium, parce qu'il n'y avait que deux sources d'uranium connues dans le monde, la Tchécoslovaquie, mais là, évidemment, on ne pouvait pas disposer du minerai d'uranium de la Tchécoslovaquie, mais aussi le Katanga, qui appartenait à la Belgique, le Congo belge, et là, on a passé un contrat et on a acheté le minerai d'uranium du Katanga qui est arrivé en Amérique. De ce côté-là, on était parés. Mais oui, les travaux de laboratoire. Simplement, peut-être ces travaux ont-ils été un peu plus vite, mais on ne peut pas dire que pendant cette première année, on a commencé à fabriquer la bombe. Ce serait tout à fait stupide de le dire. On cherchait d'abord comment on pourrait un jour la fabriquer. Et puis, il faut dire aussi que les États-Unis étaient neutres. Les États-Unis n'étaient pas en guerre et Roosevelt devait compter avec un électorat américain qui était singulièrement autonomiste, qui était singulièrement isolationniste plutôt, et qui ne voulait pas entrer dans la guerre. Et savez-vous que Roosevelt devait songer à sa réélection? Et savez-vous que sa campagne électorale de 1940, il l'a axée tout entière sur la promesse solennelle qu'il a faite de ne jamais faire la guerre? Il a été élu et après il s'est dit, ben, je vais la faire cette guerre. Parce qu'en 1941, Hitler entrait en Russie, on sentait que la guerre devenait planétaire, les travaux des savants d'Amérique avançaient. Mais en Angleterre, parallèlement, eh bien, d'autres savants travaillaient, ils étaient très avancés, peut-être plus encore, car ils avaient découvert un procédé singulièrement ingénieux, la diffusion gazeuse. Et Roosevelt a songé à unir les efforts des savants anglais et des savants américains, et il a signé un accord avec Churchill le 6 décembre 1941, quelques jours avant Pearl Harbor. Alors oui, c'est à partir de cette date-là qu'on a commencé à vraiment à mettre en chantier la bombe atomique. Et là, une fois que les États-Unis prennent une décision, ils vont jusqu'au bout. Et sur tout le territoire américain ont surgi des installations inouïes, immenses, défiant la raison. Des complexes industriels s'établissent, s'agrandissent, naissent. C'est comme un réseau de talents, d'efforts, de génies. Et je crois que la date historique a sonné le 2 décembre 1942. Là, à Chicago, dans un laboratoire installé sous le terrain de football de l'université, ce jour-là, dans l'après-midi, Enrico Fermi a réuni quelques dizaines de savants. Et là, devant eux, il a réussi la première réaction en chaîne. La première réaction en chaîne entièrement contrôlée, déclenchée au moment choisi, continuée pendant le temps qu'on avait voulu, stoppée quand on l'avait décidé. C'était fait, maintenant l'homme domestiquait totalement l'atome. Alors ces efforts épars à travers les États-Unis, cela a commencé à ne plus être possible.
Il y avait des transports incessants d'une ville à l'autre. Maintenant qu'on allait pouvoir vraiment fabriquer la bombe, eh bien, il fallait la fabriquer en un endroit déterminé où l'on concentrerait tous les efforts. Et le projet Manhattan, l'opération Manhattan, avait un chef qui était le général Groves, un militaire, un organisateur. C'est lui qui avait construit le Pentagone. Et le général Groves cherchait un lieu propice à la construction, à l'édification de la bombe. Et il a parcouru les États-Unis et arrivant au Nouveau-Mexique, dans un désert, oui, il s'est dit, c'est ici. Il y avait un haut plateau. Il a pointé l'index vers ce haut plateau. Il a dit, nous allons construire une ville ici. Et on a construit une ville. Une ville qu'on a appelée Los Alamos. Incroyable. Dans le désert, construire une ville qui allait avoir bientôt quelques centaines de milliers d'habitants, une ville où s'élevaient les usines, une ville avec des maisons d'habitation pour des savants par dizaines, par centaines, pour des techniciens, pour des ingénieurs par milliers, pour des agents secrets aussi, une nuée d'agents secrets à Los Alamos, car il fallait tout contrôler, les hommes qui travaillaient là. On ne devait rien savoir d'eux à travers les États-Unis. Le comble, l'extraordinaire, c'est qu'on n'a jamais rien su d'eux. On a construit la bombe dans un secret absolu. Pas un journal n'en a parlé jamais. Et voyez-vous, quand on ouvrait l'annuaire des postes, eh bien cette ville qui était devenue une très grande ville, Los Alamos, eh bien elle n'existait pas dans l'annuaire des postes. Il n'y avait pas de Los Alamos. Alors comment leur écrivait-on? On leur écrivait à une boîte postale. On ne savait pas où. Et puis les lettres qui arrivaient, on les censurait, les conversations téléphoniques, on les écoutait. Et évidemment, il y avait des gens, des savants, des ingénieurs, des ouvriers qui faisaient venir leur famille. Mais attention, on leur disait, dès que votre famille sera ici, elle ne partira plus, plus jamais. Plus avant la fin de la guerre. Ils acceptaient ou ils refusaient, ça les regardait. Et puis alors, il y avait des savants qui étaient obligés de voyager, de partir. Il y avait encore des laboratoires à Chicago, à Oak Ridge, partout. Alors ces savants ne partaient jamais seuls, ils partaient avec deux inspecteurs de la sûreté. Le FBI était partout. Et même certains avaient dans leur valise un micro et on enregistrait leurs conversations. Et grâce à cela, le secret a été gardé si totalement que jamais les Allemands ni les Japonais n'ont su qu'on fabriquait une bombe atomique à Los Alamos. Des gens l'ont su, les Russes. Eh oui, les Soviétiques l'ont su parce que parmi les savants qui travaillaient à Los Alamos, il y avait un certain docteur Fuchs, un Anglais d'origine allemande et communiste, ou tout au moins sympathisant communiste. Et le docteur Fuchs qui pensait, c'était un idéaliste, il faut le dire, il n'y avait aucun intérêt que l'idéal. Il pensait qu'il fallait un équilibre dans le monde et qu'il ne fallait pas que seuls les États-Unis aient la bombe. Sans cela, les États-Unis domineraient le monde et il préférait que les Russes l'aient aussi. Alors Fuchs a communiqué pratiquement toutes les informations qu'il fallait communiquer aux Russes. Les Russes ont tout su de la fabrication de la bombe. Il y a eu un autre agent qui s'appelait David Greenglass, mais lui c'était un mécanicien, il n'a communiqué que des bribes. Ça n'est rien ce qu'a communiqué David Greenglass. Mais voilà, c'est que quelques années plus tard, on l'arrêtera et il dénoncera son beau-frère comme l'ayant engagé dans le réseau d'espionnage soviétique. Ce beau-frère s'appelait Julius Rosenberg. Alors a commencé cette affaire célèbre que vous connaissez, l'affaire Rosenberg, qui déclencha tant de passion à travers le monde. Et vous savez que je crois, moi, que les Rosenberg étaient innocents. Alors oui, la bombe. Elle avance. On travaille. Et à Noël 1944, le général Groves réunit quelques-uns de ses collaborateurs, leur souhaite un bon Noël, c'est la moindre des choses, et leur dit, messieurs, si mes calculs sont exacts, je pense que le 1er août 1945, c'est-à-dire dans quelques mois, nous disposerons d'une première bombe. Alors il faut souhaiter qu'elle marche, messieurs, parce que si elle ne marche pas, cette bombe, comme nous avons dépensé 2 milliards de dollars pour la construire,
Je vous préviens d'une chose, si elle ne marche pas, nous finirons notre vie à déposer devant des commissions parlementaires. Et ça, c'était très bien vu. Et dès le mois d'avril 1944, d'ailleurs, le général Armstrong, de qui dépendaient les bombardiers B-29, entrait furieux dans le bureau du colonel Wilson et lui disait « Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? J'arrive du terrain, j'ai vu que l'on enlevait les canons d'un certain nombre de mes B-29 et on ne m'a rien demandé. C'est insupportable, moi j'ai bombardé l'Allemagne, je sais ce que c'est. On a besoin de canons pour se défendre contre la chasse. Mais qu'est-ce qu'on veut faire ? Faire descendre mes B-29 ? » Et le colonel Wilson, il n'était que colonel et l'autre était général, et un général bien important lui a dit « Mon général, ça ne vous regarde pas. » Et devant l'étonnement du général Armstrong, il lui a dit « Écoutez, si vous voulez en savoir plus, téléphonez au ministre de la guerre. » Et Armstrong n'a pas téléphoné au ministre de la guerre. En vérité, si on enlevait les canons des B-29, c'est parce que ces appareils avaient été choisis pour porter la bombe sur le Japon. Parce que d'ores et déjà, on savait qu'on n'aurait pas besoin de la bombe pour l'Allemagne. Et le canon n'était pas nécessaire, le canon pesait. Il fallait réserver tout le poids disponible à la bombe dont on savait déjà qu'elle pèserait au moins 5 tonnes. Et un peu plus tard, Wilson a été chargé de recruter 1500 personnes, pilotes, techniciens, ouvriers, ingénieurs, tout le personnel qui veillerait à l'acheminement de la première bombe atomique vers son lieu de départ. Et parmi ces 1500 personnes, un personnel d'élite, inutile de le dire, il a dû dresser une liste de 12 pilotes soumis à Arnold, le ministre de la guerre, parce que dans ces 12 pilotes, parmi ces 12 pilotes, il fallait choisir le pilote, le commandant de l'avion qui lui larguerait la bombe. Et Arnold a choisi un certain Paul Tibbets. Tibbets, 29 ans, très brun de cheveux, grand fumeur de pipe, et surtout caractérisé par un équilibre absolu de son comportement. Et il faut se dire une chose, c'est que l'on a testé pendant des semaines les qualités physiques, morales, mentales de tous les gens qui allaient être envoyés au-dessus du Japon pour le largage de la première bombe atomique. Alors, quand je lis encore aujourd'hui que, on nous dit que déjà avant Hiroshima, le major Claude Etherly était un instable. Moi, je souris parce que, croyez qu'on aurait envoyé un instable sur Hiroshima. C'est très curieux la volonté que l'on a, et on l'a aujourd'hui plus que jamais, de vouloir justifier cette opération et de vouloir dire « oui, celui qui a eu des remords, parce qu'il était déjà... » Vous voyez ce que je veux dire? Non. Tous les gens qui sont allés sur Hiroshima lancer la bombe, tous ces gens-là étaient des gens parfaitement équilibrés. Et puis on s'est entraîné d'abord, les pilotes choisis sur des B-29 au-dessus de l'Utah, à la frontière du Nevada. Alors, chaque jour, on volait. On volait à 10 000 mètres d'altitude. C'était l'altitude qui avait été choisie pour larguer la bombe. Et puis, on avait tracé dans le désert un cercle. Un cercle de 200 mètres de diamètre. Et dans la soute des B-29, il y avait une bombe très exactement semblable à celle que l'on larguerait plus tard. Mais inutile de vous dire que cette bombe-là n'était pas une bombe atomique. Et il fallait que les pilotes fassent tomber leur bombe dans le cercle de 200 mètres. Vous savez, de 10 000 mètres d'altitude, ce n'est pas très facile. Et au bout de quelque temps, ils étaient rompus à cet exercice et toutes leurs bombes tombaient dans la cible. Et puis en avril 1945, tous ces hommes ont appris qu'ils partaient pour le Pacifique. On les envoyait dans l'île de Tinian, une des îles des Mariannes. Il y avait déjà beaucoup de terrains d'aviation, beaucoup de pilotes, beaucoup de personnel dans l'île de Tinian, mais dans un coin de l'île, on a aménagé une sorte de camp retranché, entouré de barbelés, avec son propre terrain, ses propres
équipements, ses propres bâtiments. C'était le 509e groupe, groupe mixte. C'était le groupe chargé de la bombe atomique. Alors, on travaillait, il y a eu 200 techniciens qui sont arrivés en renfort, plus d'une centaine de savants, des physiciens, des chimistes, des mathématiciens. Et dans le reste de l'île, on jasait. On jasait même beaucoup parce que, imaginez tout de même ce que pouvaient penser ces gens qui étaient ailleurs. Pourquoi ? Pourquoi ce secret ? Pourquoi ces gens comme eux qui ne vivaient pas comme eux ? Et aussi, il y avait ces agents secrets, innombrables, qui peuplaient l'île. On aurait dit qu'il y avait un agent secret derrière chaque buisson, derrière chaque arbre. Et pendant ce temps-là, les gens qui allaient lancer la bombe jouaient aux cartes et buvaient des coups. Et puis, on a su que le 16 juillet, dans le désert du Nouveau-Mexique, la première bombe expérimentale avait explosé. On l'a su, cependant, que se passait quelque chose de très extraordinaire aux États-Unis, de tout à fait imprévisible. On avait la bombe, ou tout au moins on allait la voir. Et à ce moment précis, ces savants qui avaient travaillé, qui avaient mis tout leur talent, tout leur énergie, tout leur courage, toute leur volonté dans la réussite de cette fabrication, eh bien, ces savants, tout à coup, ont été pris de doutes. Et je dis, moi, que ces doutes les honorent. Et Léo Szilard, et je reviens à Léo Szilard, et je suis heureux de revenir à Léo Szilard. Léo Szilard a été le premier à douter, et à dire qu'il doutait. Et pourtant, Léo Szilard était celui qui, au départ, avait été l'initiateur, souvenez-vous. C'est lui qui était allé trouver Einstein. C'est lui qui avait dit à Einstein, écrivez à Roosevelt. Et c'est parce que Einstein avait écrit à Roosevelt qu'on avait commencé à fabriquer la bombe atomique alors. Eh bien oui, on avait fabriqué la bombe atomique. Et maintenant, Léo Szilard se disait, non, nous n'avons pas le droit d'utiliser cette bombe. Et il le disait, et c'était logique ce qu'il disait. Et il disait, pourquoi ai-je demandé cela en 1939 ? Parce que je craignais qu'Hitler fabrique sa bombe. Et je me disais que s'il fabriquait seul sa bombe, le monde était perdu. Mais maintenant, Hitler est vaincu. Hitler est mort. Il n'avait pas la bombe, Hitler. Et on l'a su après. Les angoisses que ces savants avaient ressenti pendant des années, n'étaient pas justifiés. Pourquoi ? Eh bien parce que Hitler, quand on lui avait parlé de la fission nucléaire, n'avait rien compris, il n'avait pas cru à la possibilité d'une bombe. En 1945, on s'est rendu compte que les savants allemands n'étaient pas beaucoup plus avancés qu'en 1939. Et qu'en 1945, on n'avait même pas engagé le début du commencement du processus qui aurait pu conduire à la fabrication d'une bombe atomique. Mais il était quand même heureux qu'on l'ait redouté et qu'on ait fabriqué cette bombe atomique. Alors, Léo Szilard se disait, bon, cette bombe, c'était pour parer au danger hitlérien. Il n'y a plus de danger hitlérien. Maintenant, oui, bien sûr, il y a le Japon. Mais nous savons que les Japonais n'ont pas fabriqué la bombe. Nous savons qu'ils sont bien incapables d'avoir fabriqué la bombe. Ils n'ont pas la bombe. Ils vont être battus. Très vite, les Japonais, alors nous, nations civilisées, nous, Américains, nous n'avons pas le droit d'utiliser cette bombe dès le moment où elle n'est pas absolument nécessaire. Et d'autres savants réagissaient comme Szilard, notamment Frank, le prix Nobel, faisaient part de leur émotion. Szilard a écrit une lettre à Roosevelt, et oui, une autre lettre. Et il l'a portée avant de la donner à Roosevelt. Il l'a porté au général Groves. Il faut bien que vous conceviez ce que c'était que le général Groves. C'était toute l'armée incarnée dans un homme. La volonté de l'armée, la volonté de gagner. Et Groves a lu la lettre de Szilard et il a dit, vous avez raison. Il faut que le président lise votre lettre. Je vais l'avertir. Alors, Szilard est parti heureux. Plein d'espoir, il est rentré à son bureau et quand il était à son bureau, le téléphone a sonné. C'était un collaborateur de Groves qui lui disait, Monsieur Szilard, le président Roosevelt vient de mourir. L'homme qui lui succédait était Harry Truman, le vice-président. Et voyez-vous, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler à quel point le secret, ça c'est extraordinaire, avait été gardé.
le vice-président des États-Unis ne savait pas qu'on fabriquait la bombe atomique. Et savez-vous qu'en 1945, les généralissimes Eisenhower en Europe, MacArthur dans le Pacifique, ne savaient pas non plus qu'on fabriquait la bombe atomique. Alors, le jour même de son accession au pouvoir, on est venu dire à Truman, je pense que les gens qui lui ont dit, l'ont dit avec une certaine timidité, eh bien oui, on est en train de fabriquer une bombe atomique. Alors, Szilard n'avait pas de moyen de toucher directement Truman, mais enfin la fronde, car il y avait maintenant une véritable fronde des savants. Oppenheimer lui-même, à Los Alamos, pensait la même chose et le disait. Et Truman a été inquiet, ému par cette fronde. Il a nommé un comité de 8 membres. Dans ces cas-là, vous savez, c'est ce qu'on fait toujours, on nomme un comité. Alors, il y avait des militaires, des civils, des savants, seulement 3 savants. Et on a posé un certain nombre de questions à ce comité. On lui a dit, mais voilà, 1, faut-il larguer la bombe sur le Japon? 2, faut-il avertir les Japonais qu'on va larguer cette bombe en décrivant à l'avance les effets que pouvait produire cette bombe? 3, faut-il procéder à une expérience dans un désert, à faire exploser la bombe dans un désert et convoquer des experts japonais qui pourraient en faire rapport? Enfin, faut-il renoncer à utiliser la bombe? Les débats du comité n'ont duré que quelques heures. Aux savants, à Szilard, aux autres, on a dit non, nous ne pouvons pas faire exploser la bombe dans un désert devant des Japonais parce que les effets de cette bombe seront si extraordinaires qu'il est possible que les gouvernants japonais ne croient pas un instant les délégués qu'ils auraient envoyés. Et puis tout est possible. Et si la bombe n'explose pas, vous vous rendez compte de l'effet négatif, désastreux que cela produirait? Et les récits que feraient les délégués japonais en arrivant au Japon, ils ranimeraient l'effort de guerre des Japonais. Avertir les Japonais à l'avance des effets de la bombe, c'est courir le risque qu'ils concentrent tous leurs efforts à abattre l'avion qui porterait la bombe. Alors non. Décision, larguer la bombe sans avertir personne. Et voilà le rapport qui a été soumis à Truman, et Truman a décidé de larguer la bombe. Alors, la bombe justement du 16 juillet a explosé, avec tout cet effet gigantesque, terrifiant, l'apocalypse. Et ce jour-là, le combat de Szilard et de ses amis a été définitivement perdu. On savait ce qu'on pouvait faire de la bombe, eh bien, elle existait, on allait s'en servir. En avril 1945, Tibbets et les autres pilotes et tous ses amis et tous ses collaborateurs étaient donc à Tinian et on l'attendait. On a attendu quelques mois. Et puis, le 2 août 1945, on a su que c'était le 6 août que l'on bombarderait. Depuis des jours et des jours, les B-29 s'entraînaient, les B-29 allaient survoler le Japon, repérer les objectifs, lancer sur ces objectifs des bombes identiques à la bombe, qui n'étaient pas bien sûr des bombes atomiques, et les Japonais ne comprenaient pas ce que ça voulait dire, ces bombes qui tombaient, une bombe, un avion. Et quelques jours avant le 6, Tibbets a pris l'air avec son équipage, avec son avion. Il a survolé la mer à 10 000 mètres et il a lancé sa dernière bombe postiche. Et puis, le 5 août 1945, c'était un dimanche, il y a eu un service religieux. Et puis, dans l'après-midi, tous les techniciens ont entouré la bombe. Il faut dire que cette bombe avait un nom. Parce qu'il y en avait deux des bombes. Parallèlement, on avait construit 2 bombes, une à l'uranium et l'autre au plutonium, un corps isolé par l'homme, créé par l'homme. Dès 1940 d'ailleurs. Alors la bombe
l'uranium était d'abord une sorte de long tuyau. Et l'autre était une grosse masse ventrue. Alors, les gens qui l'avaient fabriqué, on peut avoir même de l'humour dans ces cas-là, eh bien, avaient pensé pour la longue bombe à Roosevelt et pour l'autre qui avait un gros ventre à Churchill. Alors, on avait appelé la longue, eh bien, le grand mince. Et puis, alors, la grosse, à plutonium, on l'avait appelé le gros type. Et puis, alors, après, quand on a rétréci singulièrement le grand mince, on a été en présence d'une bombe différente qui ne ressemblait à rien. Alors, par rapport au gros type, on l'a appelé le petit garçon, the little boy. Et oui, la bombe d'Hiroshima, c'est the little boy. Alors, justement, quelques centaines de gens étaient autour de little boy le 5 août 45 dans l'après-midi. On l'a hissé par une grue sur une remorque. Un tracteur s'est accroché à cette remorque et puis ce tracteur a tiré la remorque et son chargement sur 1 kilomètre jusqu'au terrain d'aviation. Et alors là, il faut voir comment s'est déroulé ce transfert. Il y avait une nuée de voitures, de jeeps, des agents secrets partout. Sur les marchepieds de la remorque, il y en avait 8. Vous avez vu des films où on voit le président des États-Unis dans sa longue voiture décapotable avec des agents sur les marchepieds? C'était la même chose. Mais là, le président des États-Unis, c'était The Little Boy. On a amené la bombe sur le terrain. On l'a déposé dans une fosse qui avait été préparée et puis l'avion, le B-29, est venu se ranger au-dessus de cette fosse. On a ouvert sa soute et une autre grue a fait monter lentement, lentement, Little Boy, dans le flanc du B-29. Et quelqu'un qui était témoin a dit, c'est comme un diamant enchâssé dans une énorme masse de coton. C'est une image. Et puis Tibet s'était là devant son appareil, il s'est avisé que cet appareil ne portait pas de nom. Il avait le numéro matricule qui était peint sur le fuselage, bien sûr, mais il faut un nom. C'était la tradition dans l'aviation américaine, tous les appareils avaient un nom. Et il s'est souvenu de sa mère qu'il aimait tendrement, qui s'appelait Enola Gay Haggard. Il a fait appeler un peintre en lettres et il a dit, tu vas m'écrire Enola Gay. Et voilà comment dans l'histoire, l'avion d'Hiroshima porta le nom de la mère du pilote qui décida du sort de la ville japonaise. Et puis le soir, Tibet s'est fait un amphi à ses hommes et leur a parlé de la bombe. Les hommes savaient qu'ils allaient participer à quelque chose d'exceptionnel, mais même eux ne savaient pas que c'était une bombe atomique. Et ils l'ont appris le soir même. Et puis alors, le 6 août, le 6 août 45, la date historique, à 1h45 du matin, les 3 avions météo sont partis, ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, dont le Straight Flush, conduit par le major Claude Etherly. Et un peu plus tard, une demi-heure plus tard, les 3 B-29, dont l'Enola Gay, se sont envolés à leur tour. Ça a été facile pour les deux premiers parce que c'était un avion rempli d'instruments de contrôle physique. Il devait contrôler la force de l'explosion, la puissance de l'explosion. L'autre était rempli de photographes et de cinéastes qui devaient filmer l'opération. Mais le troisième, c'était l'Enola Gay. Et là, ça n'a pas été très facile, parce que quand la tour de contrôle a dit « vous pouvez y aller », eh bien l'avion a commencé à accentuer sa vitesse sur la piste. Mais l'avion était lourd, l'avion était très lourd, l'avion était beaucoup trop lourd, parce que 25 000 litres d'essence plus une bombe de 5 tonnes, c'était beaucoup, il y avait une surcharge au décollage de 7 tonnes. Et Lewis, qui était aux commandes, avait beau tirer sur le manche à balai, de tirer de toutes ses forces, eh bien l'avion ne s'élevait pas, et il voyait arriver avec une rapidité épouvantable, effrayante, le bout de la piste, et au bout de la piste, il y avait les rochers, il y avait la mer. Alors, dans les derniers mètres, il a tiré, et tout à coup, il a vu, enfin, le nez de l'appareil s'élever, à quelques centimètres du bout de la piste. Et la suite, vous la connaissez, le message de Claude Etherly, qui survole Hiroshima, ennuagement 3/10, vous pouvez y aller. Et Hiroshima s'éveillait. C'était le petit matin, il y avait eu beaucoup d'alertes pendant la nuit, mais on ne s'effrayait pas, il y avait des alertes sur tout le Japon.
Toutes les villes étaient bombardées, les villes étaient à moitié ruinées, écrasées, presque toutes, sauf deux, Kyoto, mais c'était normal, c'était la ville sainte, et puis Hiroshima. Et on ne savait pas très bien pourquoi Hiroshima avait été épargnée. On racontait des tas de choses, comme quoi la mère de Truman habitait Hiroshima, que c'était pour ça qu'on ne bombardait pas, c'était évidemment faux. Mais les habitants d'Hiroshima, je ne sais pas ce qu'ils auraient pensé s'ils avaient su que c'était précisément parce que la ville était intacte qu'on l'avait choisie. Parce qu'un bombardement sur une ville intacte, ça ferait beaucoup plus d'effet qu'un bombardement sur une ville à demi démolie. Alors oui, les gens allaient à leur travail. Ils avaient eu très chaud pendant la nuit. Ils pensaient qu'il ferait également très chaud pendant la journée. Ils allaient à pied, à vélo. Il n'y avait plus de voitures, plus de camions, parce que le Japon manquait dramatiquement de pétrole. Il manquait de tout, d'armement, de munitions, d'avions, de ravitaillement. Ces gens avaient faim. Et à 9 heures, exactement, heure de Tinian, 8 heures, heure d'Hiroshima, l'Enola Gay a survolé sa cible. Et à ce moment-là, Tibbets a dit à Ferbie, à toi de jouer. Et Ferbie a regardé dans le viseur. Il savait que lorsqu'il verrait certains ponts, eh bien là, il devrait à tout prix appuyer sur le système automatique. Et tout à coup, il a crié, je le vois, le pont. Et il a appuyé. Et maintenant, rien au monde ne pouvait plus faire que la bombe ne soit pas larguée. Elle avait été amorcée peu de temps avant par Persons, un ingénieur, qui était descendu dans la soute et qui avait amorcé la bombe. Alors les hommes ont mis leurs lunettes noires, Polaroid. On leur avait dit de le faire. Et 45 secondes après, la soute s'est ouverte. La bombe est tombée. Alors là, Lewis a amorcé immédiatement un virage à 155 degrés, c'est ce qu'on lui avait dit. Et il est descendu en piqué pour aller plus vite, plus vite, plus vite. Il fallait s'éloigner de la bombe. Sans cela, on sautait avec la bombe. 45 secondes après, un signal radio, la bombe larguée. Et les deux autres B-29 l'entendaient. Et à quelques centaines de kilomètres de là, le major Claude Etherly, à bord du Stretchful, entend également le signal radio. 15 secondes encore. Et tout à coup, malgré les lunettes noires, les hommes sont aveuglés. Un éclair d'une blancheur telle qu'elle est insoutenable. Plusieurs soleils, comme on l'avait dit au Nouveau-Mexique, plusieurs soleils. Et aussitôt la déflagration. Impossible à décrire. L'énorme sphère de feu qui s'élève, le champignon immense qui monte vers le ciel, et on regarde vers le sol, vers la ville d'Hiroshima, et on ne voit qu'une sorte de lit de braise. Impossible de compter les incendies, la ville d'Hiroshima n'est qu'un seul incendie. Et à ce moment-là, nous savons que Lewis a dit, mon Dieu, qu'avons-nous fait? Et c'est la phrase qui est inscrite au journal de bord. Et voyez-vous, tout ce que je viens de vous raconter a été résumé dans un film qui a été tourné à ce moment-là. Et je voudrais que vous le voyiez maintenant, ce film, en même temps que moi. Et je crois, et vous conviendrez, qu'aucun commentaire n'est nécessaire.
100 millions de degrés au-dessus d'Hiroshima. Alors, tous ceux parmi les Japonais qui se trouvaient sous la bombe, sous l'éclatement de la bombe, eh bien, ces gens-là, on ne peut pas dire qu'ils ont été tués, ils ont disparu. Ils ont été désintégrés. Plus tard, on n'a plus retrouvé d'eux que des ombres. Je dis bien des ombres. Et oui, leur corps avait dessiné sur le terrain l'ombre de leur corps, l'ombre de leur cadavre. Et cela sur des centaines de mètres à la ronde. Alors un peu plus loin, si l'on allait plus loin vers l'extérieur, eh bien on trouvait des cadavres. Des cadavres par milliers, calcinés, réduits à l'état de charbon. Alors on continuait à aller plus loin, plus loin, plus loin, et là l'on trouvait des gens brûlés, mais vivants, mais atrocement brûlés. Certains avaient été dépouillés entièrement de leur peau. Et puis on voyait par exemple une escouade de soldats qui s'avançaient en titubant, et dans les arcades sourcilières, il n'y avait plus rien, les yeux avaient brûlé. Et puis plus loin encore, on trouvait d'autres grands brûlés, et puis tout avait était détruit, tout avait été écrasé, tout avait volé en éclats. Et comment ne pas penser à l'Apocalypse, aux sept anges de l'Apocalypse, aux sept trompettes des sept anges de l'Apocalypse. D'abord, la lumière, l'effroyable et effeuglante lumière. Ensuite, le feu qui avait tout brûlé. Ensuite, la rafale qui avait tout emporté. Ensuite, la pluie radioactive, cette pluie que subissaient certains hommes qui en sont morts pendant 25 années. Et puis enfin, le vent de nouveau qui achevait de tout écraser, de tout voler, de tout détruire. 100 000 morts, 40 000 blessés, chiffre officiel, mais sans doute davantage. Quand le major Claude Etherly a appris ce qui s'était passé à Hiroshima, il s'est tu. Et oui, pendant cinq jours entiers, il n'a pas ouvert la bouche, pas dit un mot à ses camarades. Et puis pourtant, il fallait vivre, il avait un métier, il avait une charge, il s'est remis à voler, il a même survolé Nagasaki quelque temps plus tard. Et puis il fallait vivre, il le voulait. Il a été démobilisé, il a rejoint sa femme, Concetta, qu'il avait épousée en 1943. Il avait des enfants. Il aura des enfants. Et à Houston, il a trouvé un job. Il est devenu employé d'une firme pétrolière. Il avait une maison, un jardin, une femme charmante, des enfants charmants. Il allait à l'heure au bureau. Et il travaillait bien. Il est même devenu directeur des ventes. Ça, c'était l'apparence. Mais il y avait les nuits. Et chaque nuit, oui, nuit après nuit, Claude Etherly revivait Hiroshima. Chaque nuit, c'était de nouveau les images d'Hiroshima qui s'imposaient à lui. Alors qu'il a bu des drinks, de plus en plus nombreux, de plus en plus tassés, et puis il a pris des somnifères, de plus en plus nombreux, de plus en plus durs. Rien n'y faisait, il dormait, il s'effondrait, et dès qu'il avait les yeux fermés, il revoyait Hiroshima. Et lorsque le président Truman a annoncé que la bombe H existait et que la bombe d'Hiroshima n'était qu'un jeu d'enfant à côté de la bombe à hydrogène, il a pris une chambre à la Nouvelle-Orléans et là, il s'est enfermé dans cette chambre et là, il a avalé plusieurs tubes de barbiturique. Il était mourant quand on l'a retrouvé, on l'a sauvé, on l'a emmené. Et quelque temps plus tard, il est entré dans un asile psychiatrique, celui de Waco. Il a voulu se faire soigner. Il est allé plusieurs fois dans cet asile. Le jour où il en est sorti, la dernière fois, il a appris que sa femme divorçait et que le jugement lui interdisait de voir ses enfants. Alors, il restait à ses propres yeux un héros. Vis-à-vis de lui-même, vis-à-vis des autres, il ne voulait plus être un héros. Alors, il s'est appliqué à détruire l'image du héros qu'il ne voulait plus être. Alors, il a commencé des délits. Il a attaqué un bureau de poste, mais il n'a rien emporté. Il a attaqué un caissier, mais il ne lui a rien volé. Il a falsifié un chèque pour envoyer de l'argent à Hiroshima. Alors, comme on n'avait pas le droit de falsifier un chèque, on l'a condamné à 9 mois de prison. Il a fait sa prison, il a été libéré. Et puis, il a fait d'autres délits. Et de 1952 à 1954, qu'il est allé sans cesse d'asile psychiatrique,
jusqu'à les tribunaux et des tribunaux jusqu'à l'asile psychiatrique. Et les esprits cartésiens vont s'étonner, vont dire, mais enfin, je l'ai dit tout à l'heure déjà en parlant des réactions des autres, mais pourquoi lui, il n'est rien. Un soldat, pendant une guerre, obéit à son capitaine, le capitaine obéit à son général, le général au général en chef, le général en chef au ministre de la guerre, le ministre de la guerre au chef de l'État. Alors, c'est pas lui, Isserli, qu'est-ce qui lui arrive? Pourquoi ces remords? Pourquoi ces nuits épouvantables? Pourquoi ces dépressions? Oui, le chef de l'État, c'était Truman, et en effet, c'était lui le responsable. Je me souviens que quand ces mémoires sont parues, quelques années après, je me suis précipité. J'avais la sensation que j'allais trouver des pages extraordinaires lorsqu'il décrirait la nécessité où il s'était trouvé de prendre sa décision. Je me disais, c'est bouleversant pour un homme. Et j'ai trouvé une demi-page, trois paragraphes. On m'a dit qu'il fallait lancer la bombe. J'ai décidé de lancer la bombe, on a lancé la bombe. C'était tout pour M. Truman. Et plusieurs années après, des journalistes lui disaient, mais enfin, Président, vous devez bien regretter quelque chose dans votre vie. Quel est votre plus grand regret? Et il a répondu tout de suite, sans hésiter, « Oh oui, je regrette de ne pas m'être marié plus tôt. » Oui, apparemment, il n'avait pas du tout pensé à la bombe. Alors oui, si Truman vit dans une conscience aussi excellente, pourquoi Isserli? Eh bien, peut-être que Isserli, lui, avait plus d'imagination que le président Harry Truman, et peut-être surtout qu'il voyait plus loin. Il avait sombré totalement lorsqu'il a entretenu une correspondance avec un philosophe autrichien, Günther Anders. On parlait de lui, on en parlait dans les journaux, et Anders s'est ému devant ce cas, et cette correspondance, curieusement, l'a sauvé. Cette fois-là, quand il est sorti en 1960, eh bien, il était guéri. Mais alors, il s'est mis à militer. Il a compris, à travers cette correspondance à Günther Anders, que son cas était un cas exemplaire, et qu'il pouvait témoigner. Et il n'a cessé de témoigner, de militer contre l'arme atomique. Il est parti pour Hiroshima, et là, il a été accueilli comme un frère retrouvé. Jusqu'au bout, il a milité. En 1962, il était à la tête d'une gigantesque manifestation aux côtés de Pablo Casals dans New York. Et il criait, non, les hommes ont inventé l'arme absolue, l'arme de mort. Ils n'avaient pas le droit de le faire, mais puisqu'ils l'ont fait, ils doivent y renoncer à jamais. Il a milité jusqu'à son dernier jour, c'est-à-dire jusqu'à l'année 1978, époque à laquelle il est mort à Houston d'un cancer. Et je dirais même qu'il a milité au-delà de sa mort. Parce que dans son testament, Claude Isserli avait demandé que l'on brûle son corps. Et le corps de Claude Isserli fut brûlé, à l'image de tant d'autres corps brûlés 33 ans plus tôt, à Hiroshima.